où les explosions ont retenti. Mais quand même, oui. Peut-être une petite dizaine de spectateurs gardaient les bras en l'air, enlevaient leur veste, enlevaient leur manteau, se habillaient pratiquement complètement là, dans la rue, devant moi, pour démontrer qu'ils n'avaient rien sur eux, pas de... Il y a d'explosifs, évidemment. L'extrême nervosité des policiers, elle est palpable ici au Stade de France, avec ces milliers de personnes qui sont effectivement en train d'essayer de quitter cette enceinte au compte-goutte, avec des accès littéralement bloqués, et particulièrement le lieu où tout à l'heure il y a eu cette série d'explosions. Merci Thomas. Si vous nous rejoignez...